Ah, bonjour. Bon, là, vous avez mon micro. Un instant, j'écoute si ça marche. OK. Je vais s'arrêter la vidéo. OK. Donc, je gesticulais pour rien. Tout ça pour dire que, OK, bienvenue. Et boss fight! Oh yeah! Hier, quand j'ai quitté le jeu, je vois mon écran vert. Où est-ce que je suis situé par rapport à mon écran vert? OK. Plein de petits ajustements, puis je bouge beaucoup. Puis je vais essayer de moins bouger. Je vais me tasser un peu, me mettre plus droit. OK. Donc, je recommence. Bienvenue à ce vidéo numéro 7, Vampire the Masquerade Justice, que je fais sur Twitch ce matin. Je recommence peut-être à Twitch et on va voir là qu'est-ce que je décide là, t'sais. En tout cas, peu importe. Hier, j'ai quitté juste au moment d'une fight avec Elena dans une église, là, qui est peut-être celle-là. Puis Elena, elle vole dans les airs, puis elle m'a envoyé toutes sortes de choses, puis j'ai lu absolument rien sur le combat. J'ai vu aucune vidéo sur le combat, fait que on va analyser son pattern, ses patterns, puis je vais essayer de m'en sortir du mieux que je peux. Ceci dit, je voulais que la musique se calme un peu pour mentionner deux chaînes YouTube. Si vous aimez le jeu Vampire the Masquerade Justice, je vous conseille deux chaînes YouTube. Une qui s'appelle A Wolf in VR, un loup en VR, mais A Wolf in VR en anglais, qui fait des vidéos vraiment très divertissantes. Il fait le jeu au complet dans l'ordre, le même jeu que je fais ici, mais sauf que lui, il fait du montage en masse, puis il est amusant dans son gameplay. Là, il va s'amuser avec les personnages, quand il va faire du stealth, arriver derrière eux, puis il va tout le temps avoir une petite réplique comique. Là, fait que moi, je le regarde, je m'installe là avec un snack, puis je regarde ça comme si c'était une série télé. Ça, c'est A Wolf in VR. Puis il y en a un autre qui s'appelle Substatica. S-U-B-S-T-I-C-A. J'ai justement manqué ça, là. Substatica. Et le gars, il est vraiment aussi... il est pas drôle, tout à fait. Mais il fait le jeu dans l'ordre. Sans montage, sauf qu'il fait des petits bouts de 20 minutes, 30 minutes. Il va faire une mission à la fois, à chaque jour ou à chaque deux jours. Fait que quand la mission est finie, on retourne dans le repère de Pietro, il s'arrête là. Mais, tu sais, ça me permet aussi de voir d'autres gameplays, d'autres façons de faire le jeu. Fait que je trouve ça intéressant pour ça. Ceci dit, sans plus tarder, allons-y. Puis, je vais sûrement avoir l'air fou, je vais sûrement mourir plusieurs fois. Je vais peut-être m'enrouler dans mon câble, je sais pas. Mais, OK, elle est juste là. Fait que faire face à Elena. Wow! J'aurais dû me baisser. Baisser. OK. Qu'est-ce que je peux faire contre elle? Elle va me lancer ses... ça, là. OK. Je peux pas l'attaquer direct. Elle est vraiment fréquente. Il est passé au travers de la statue. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, viens-t'en. Bah. Ok, je peux-tu... Qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'attaquer. Aller derrière elle, peut-être? Je peux pas... Mais je peux pas y sauter dessus? Ah! J'ai même pas essayé d'y lancer quoi que ce soit. Attends une seconde. On va éviter ça, là. Ouah!
Non, ça fait rien. Non, ça fait rien. Puis là, j'ai besoin d'un rat. Ici, ici, viens ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux y sauter dessus. Sur sa tête, genre. Fuck. Un rat, un rat. Là-bas, il y en a un autre en haut là. Faut que je monte plus haut qu'elle. J'en vais pas loin là. Je peux pas m'accrocher. T'es où? Lui. Quelque chose que je comprends pas dans le gameplay là. Là-bas? Il y a quelqu'un là-bas, Pietro? Aide-moi! Juste me retourner de bord, va. Ok, c'est beau. Je t'ai viré. Pietro! Qu'est-ce que tu fais? Tu m'aides pas? Il est juste là, en haut là, là. Que je la tire genre ici. Et approche-toi. De poignée. Ok, puis mon niveau de sang veut rien dire. Là. Ok. Mais honnêtement, je sais pas, là, je vois pas les indices, je sais pas en tout quoi faire.
faire. Qui vibrait vraiment beaucoup là. Mais je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Ce que j'essayais de faire là, c'est de faire lancer des crânes par là-bas là pour détruire les grillages peut-être, mais détruire ceux-là. J'ai pas grand chance là. Elena nous avait tous dupés. La personne que j'avais tuée dans son palazzo devait être une impostrice. Que mijotait-elle? Finalement, ce n'était pas important. Elle était responsable de la mort de Mahmoud, et elle devait payer le prix ultime. Allez, lance-moi tes affaires, là. Encore. Est-ce que je veux rentrer ici, moi? Qu'est-ce qui est tombé? Pas mon écran vert? Non. Quelque chose est tombé. Quelque chose est tombé. Et je ne sais pas quoi. Avant de revenir, je vais vérifier ma place. Oups, mauvais piton. Ok. Ok. Oups. Ah! Allô? Non! Pietro, aide-moi un peu! Je suis pas capable.
J'essaie d'y mordre le cou, mais je pense que ce sera pas ça la technique. Non, c'est pas ça. 2 secondes, j'ai encore bougé dans mon environnement, puis je vois ma grille. Ok, désolé. Ok, mais ça, c'est une bonne façon de se protéger ici. Là. Allô? Approche-toi. Attends. Approche-toi. C'est le dernier là qui est. Lui, il faudrait que j'y fasse. Oh. Faudrait que j'y fasse lancer le dernier quelque part là. Genre là, pour faire sortir Pietro. Non! Quoi d'autre? Je dois tuer Tommaso. Allô? Oups. Allô? Non, elle tourne trop. Je peux pas. Hey, sérieusement, je sais pas là. Ok, je vais essayer en tuant Tommaso. Je sais pas si je vais réussir. Qu'est-ce que je vois pas? Ah, donc, ah. Ouais, mais le dernier crâne, il fait quelque chose de différent des autres. Tonka. Ouch. Ouais, lui, il me suit, hein. Il me lâche pas. Ça me dit que j'ai un téléspectateur, fait que je peux pas. Si vous me lisez, si vous m'écrivez, je peux pas voir. Je suis désolé, j'ai pas le temps de regarder. Puis j'ai pas de transcription audio dans mon casque là. Mais je pense que c'est supposé le faire, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je vois pas? Quelque chose que ça diffère face. Je peux pas l'attaquer comme ça.
retourne. Non. C'est pas ça le truc. C'est pas en la mordant que je vais réussir. Éteindra. Ici. Merci. S'il y a rien de caché, là, non? C'est sûr que vous voyez peut-être de quoi, puis vous criez, là, puis vous me dites « Hey, fais ci, fais ça », puis je le vois pas pantoute. Il est là puis il fait rien. Aide-moi un peu, Pietro. C'est plus, là. C'est quoi ici que j'ai pas vu, non? Ça peut pas allumer les chandeliers, les crânes, c'est pas ça. Mais c'est vraiment le dernier avec sa cible, son genre de... qui doit faire quelque chose. Ça, les lumières sont allumées en haut là. Mais c'est de là que j'arrive aussi. Est-ce qu'il faut que j'y fasse... Je me suis demandé si il faut que le dernier cran attaque Tommaso, mais je pense pas que ce soit ça. J'ai pratiquement pas le temps de rien faire. Ah, non. Il y a un temps d'arrêt, là, qu'après les... Je sais pas comment l'attaquer. Peut-être que je peux essayer de la rendormir, mais ça n'a pas marché tantôt. Après ces attaques... Non, ça marche pas. Non. Tu as un gentil rat, là? Pas loin? Non. Ah, là-bas. Je sais pas quoi faire. Finalement, j'aurais peut-être dû lire sur le combat. Vol de vitesse, piège de l'ombre. Faire face à Elena.
pas un rat quelque part, non? Ben, je suis pas à l'agonie non plus, là. Oh! Je pensais pas que je pouvais rentrer ici. Ok, super. À moins que c'était un bug, là, mais... J'étais peut-être pas supposé rentrer. Ok, enfin, super. Ah, ok, c'est beau. Pietro est de l'autre côté là-bas. Et ça fait juste me réécrire. Je vais voir si je peux les attaquer depuis la zone qui s'est effondrée. Toi, passe de l'autre côté. Ouais, dans le fond, c'est un bug parce que je n'étais pas supposé revenir. Au travail, hein? C'est quoi, ça me permet de respirer un peu là, puis d'observer. Mais je n'étais pas supposé ressortir. J'ai rencontré Pietro au début. Ok. Allô? Je suis juste là. Attends qu'à toi-même. Faire face à Elena. Insaisissable. Fait que je suis supposé me faire attaquer par elle, puis aller où après ça? Être insaisissable? C'est-à-dire genre faire le tour puis jamais me faire toucher? Ça a l'air facile, ton boss. Pas l'air facile? Ou l'air facile, j'ai pas... C'est parce que j'ai pas d'armes, j'ai pas... T'sais, c'est vraiment... Il y a une technique pour le battre, mais je sais pas comment. Wow. Est-ce qu'il faut que je fasse genre le tour? Wow, pas comme ça. Ok. Non, je la comprends pas. Quelque chose qui me manque. Quelque chose que je vois pas. Oh fuck, j'ai pas pensé à ça. Ici en haut là, je me pose. Je peux pas aller en haut, oui.
l'avais. Ok, là on a quelque chose là. Ok, je pense que j'ai pu y poigner le coup ici. Ok. Là on part. J'avais envie de me baisser pour de vrai. Ok. Là tu parles. Hey. Viens-t'en ici, toi, viens-t'en. Non, je peux pas. J'ai l'impression que je pouvais. Ah, je peux monter là. Vite, 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 vite. J'ai eu l'impression que je pouvais la mordre, mais c'est peut-être fausse impression. Mais j'ai une petite fenêtre pour l'attaquer quelque part, là, mais je sais pas où me placer pour l'attaquer. Juste prendre 2 secondes pour se situer dans mon salon, là. Ok. Pas la mort. Je pensais que je pouvais. Pourquoi est-ce qu'il me donne des rats pour refaire mon... Ça refait pas vraiment ma santé. Ça me redonne du sang pour mes armes, mais j'ai pas... Il semble que j'ai pas grand-chose contre elle. Trop me parler. Ah, peut-être qu'il faut que je mette le piège pour elle à quelque part, pas loin d'ici.
Pas évident, pas évident. Pietro, tu peux venir te voir, non? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Répète. Chose avec toute ta force. Je peux pas rentrer là. Sortir par là, je veux dire. Parle plus fort, Pietro. Deux secondes, je me recentre encore, j'ai encore bougé. Ma zone n'est pas si grande que ça à cause de mon écran vert qui est là, juste derrière moi, puis... Faut que je retourne près de Pietro, et Pietro il me parle, il me dit des choses, puis... Même si j'entends pas trop, là. Quoi? Hit her? Avec quoi? Est-ce que je peux la frapper là? Ok, attends une seconde, voir.
peux pas la frapper. Comment tu veux que je la frappe? Quelque part, oui, en haut là-bas. Non, je peux pas frapper. Je vais aller réfléchir dans le coin ici, là. Tu me parles puis j'entends pas. Pietro, il me parle puis j'entends pas. J'entends pas ce qu'il dit. C'est frustrant. Je vais me rapprocher de lui tout de suite là, puis éviter ses attaques à elle. Là. Qu'est-ce que t'as à me dire, Pietro? Quoi? Regarde, je vais me donner une chance là. Parce que là, à un moment donné, là, volume des voix, volume des effets sonores, volume de la musique. On va le ramener tantôt. Là, je vais entendre ce qu'il me dit. Ok, Pietro, parle-moi. Parle, Pietro, c'est le temps, là. Ah!
Pietro. Dorgan. Dorgan. Peter Projectiles, Megaton. Destroy you with all your force. Oh. Quoi? Il faut que je fesse les projectiles? Strike her projectile. C'est ça qu'il dit? Fait que celui qui a une... Oh, peut-être. Ok. Encore une fois, je me réajuste, désolé. C'est un jeu qui me... Il me fait bouger. C'est de garder les pieds plantés à terre. Ah! Et? Je vais éviter les premiers. Puis frapper le troisième, le dernier. Ah, d'accord. D'accord. Merci, Pietro. Enfin, je t'ai entendu. Fuck. Ok, puis là, ça va devenir plus compliqué. Là. Ok. Ok, là, c'est d'autres types d'attaques. Ça devient intéressant. Non, je t'ai manqué. Vite, le rat, il est où? Ici. Ici, il reste là. Ouais. Là. Ah, j'ai manqué le dernier. Et eux autres, plus le dernier. Fuck. Placer ici, je vais éviter ce batch là. Puis lui. Ah, je sais ce qu'il faut que je fasse. Ce que j'ai fait au début, c'était... Je vais en faire un autre. Tiens, toi. Là, je suis où, là? J'ai tourné encore. Là, faut pas qu'elle me frappe. Wow! Et bouge pas. Ok. Encore. J'ai pas fait assez attention. Ok. Donc on va mettre le son comme il faut, puis là je sais ce qu'il faut que je fasse. Ça a pris 50 minutes. Presque une heure pour comprendre. Merci, Pietro. Ok.
Puis je vais me faire tout de suite des... Et où là? Ah! Raté! Ça va. Quand tu sais quoi faire. Double. Double. Ok. Je vais me faire des fléchettes encore. T'es là ici, toi. I got you, bitch. Yes. Just let me be. No one ever lets. Merci, Pietro. J'entends pas ce que tu dis, Pietro, mais je peux le lire. It is clear now that he wasn't in on it. She played him like a violin. I don't see why we should let him live. Let me leave this place. I will make it worth your while. I promise you. Please. Non, je le laisserai pas vivre, moi. Je suis intouchable, le nom du trophée. Je suis pas sûr que vous le voyez, là. Vers l'horizon. And that was it. My... adventures in Venice were over. Mahmoud's destroyer had been punished, but I didn't feel any sense of closure at all. The relic was smashed to pieces. I'll never know why it was so important to my sire. If he were still alive, he would say it is important to stay true to our traditions. Traditions are what brought me here. I'm not sure I made any difference in the end. A lot of people died. Then again, a lot of people would still have died if I hadn't been here. The world has a tendency to balance these things, with or without our help. I don't know what happened to Pietro. Maybe he's still alive in a tunnel somewhere. Maybe he decided to end it all. Whatever his choice was, I trust it was the best for him. So there you have it. I'm not sure if it made you any wiser, but now you know the whole story. Welcome to the family, kid. I guess we'll find out if I'm a better teacher than Mahmoud was. You've got a lot to learn. Get your affairs in order. We're leaving for New York soon. Yes, sire. Oh, yeah. Et voilà, on voit la fin. Superbe jeu.
Ouais, j'ai joué une dizaine d'heures. Toutes mes autres streams sont sur YouTube, sur la chaîne. Ben, je pense que vous tapez justement JF Tremblay VR en un seul mot. Vous allez le trouver. Puis il y a le lien, je pense, sur mon Twitch aussi. Puis, mais je vais revenir là. Je vais rester sur Twitch, là, je pense. Fait que. Oh wow, c'était le fun. Puis j'ai dit oh yeah à la fin parce que ça donne l'impression qu'ils vont faire la suite à New York. Mais je sais qu'il y en existe déjà des jeux de Vampire Masquerade à New York. Je pense qu'il y en existe déjà un sur les consoles. Fait que. Pas en VR, là. Fait que je sais pas. Mais c'est un gros, gros univers là, très, très vaste. Puis je vais quand même continuer de jouer pour aller chercher tous mes médaillons que j'ai pas eu dans le jeu. Ah, c'était cool ça. Production Babies. C'est cool ça. Il y a eu des bébés durant le making du jeu. Les acteurs. C'est quelque chose. Quelqu'un qui me dit quelque chose? Non. Audio. Le son. Bon, je pense pas qu'on va toffer et qu'on va regarder tout le générique, là. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Ça fait quoi? Ça fait une heure que je joue, à peu près. Un combat assez épique. Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup d'avoir regardé. Puis, on se reprend bientôt. Suivez ma chaîne. Puis, vous allez voir des vidéos popées très, très souvent. Fait que là-dessus, bon restant de journée.